Amis de Dimanche Politique, bonjour et merci de nous avoir rejoints ce 26 septembre 2021. Semaine exceptionnelle à plus d'un titre avec un agenda particulièrement chargé pour le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Mardi, mercredi et jeudi, une série de consultations politiques de haut niveau. Au menu, l'un des plus grands événements politiques ou ce qu'on peut appeler l'un des plus grands événements politiques de l'année 2021, Patrice Talon accordait une audience d'environ une heure à son prédécesseur Boni Yayi au palais de la Marina. Probable prémisse pour l'édification de la paix en République du Bénin et ceci dans un contexte de tensions politiques plus ou moins édulcorées par de vastes chantiers de développement et de pertinentes réformes. Et des réformes, puisqu'on en parle, restons-y. Il en était question cette semaine. Les réformes structurelles du secteur de la décentralisation exposées aux maires, leurs adjoints, aux préfets et autres personnalités politiques du Bénin. Et enfin, le test relatif aux infractions commises à raison du genre. Pour aborder ces principaux sujets et bien d'autres, nous recevons pour vous un enseignant, chercheur, théoricien de la gouvernance d'État. Il en a Docteur Paul-Marie Wessou, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre disponibilité, docteur. Merci de m'avoir invité aussi. Alors, c'est un devoir, docteur. Premier acte de cette émission, à la découverte de notre invité. C'est qui, docteur Paul-Marie Wessou? Comment en est-il arrivé là? Puisqu'il n'est pas né docteur, il n'est pas né enseignant du supérieur. Non, il est né Paul-Marie Akimoa Wessou. Mm-hmm. Je suis né au Togo, de père et de mère béninois, bien sûr, mais à Lomé. Et j'ai fait donc tout le cours primaire à Lomé, avant de rejoindre ici après avoir eu le CEPT, qui est l'équivalent de notre CEP, n'est-ce pas? Et donc je suis directement plongé dans Logozoré, mon village, je veux dire, oui, mon village natal, pardon, mon village d'origine. Hein. Donc, je suis plongé à Logozoré où j'ai commencé la sixième. Je suis ensuite, après le BPC, allé à Savalou, 12 kilomètres. Donc, Savalou-Logozoré, c'est 12 kilomètres. Donc, je suis allé à Savalou pour poursuivre en seconde, où j'ai eu le bac, ça c'est en 91 maintenant. Et après le bac, donc, je suis revenu à Cotonou pour maintenant commencer l'université. Bon, il faut dire que quand on entre à l'université, c'est un choix. Hein. Soit vous faites quelques années et puis vous arrêtez vos études. Mais moi, j'ai fait le choix de faire des études à vie. Donc, j'y suis encore. Je ne suis pas encore. C'est d'ailleurs ce qui fait de vous un chercheur, un enseignant-chercheur. Absolument, absolument, absolument. Et je ne suis pas encore très, très, très avancé. Puisque le chemin, la marche, c'est pour aller vers le top. Je ne suis pas encore top, mais j'y suis. Je suis sur le chemin. Et je fais le petit bonhomme de chemin. Vous y arriverez. Ah, merci. Et il faut dire que à l'université, donc très tôt, j'ai été, disons, intéressé par ce qu'on appelle les études africaines. Donc, il faut étudier, mes études, ma focalisation a porté sur l'Afrique et les problèmes de l'Afrique, l'histoire, tout ce qui tourne autour, la civilisation, la culture, tout ce qui tourne autour de l'Afrique. Et donc, naturellement, j'ai eu la maîtrise en études africaines, la licence en anglais d'abord, la maîtrise en études africaines, Afrique anglophone, bien sûr. Et puis, après la maîtrise, en fait, j'ai fini la quatrième année sans soutenir et puis je suis allé travailler pendant des années. Puis, je suis revenu maintenant. Quand je suis revenu encore à l'université, j'ai d'abord soutenu ma maîtrise. Ensuite, j'ai enclenché avec le DEA.
Et puis après... Ce n'est pas recommandé, mais j'ai fait un peu comme vous. Non, c'est... Je l'ai soutenu 10 ans après. Oui, exactement. On a fait alors la même année alors pour soutenir la maîtrise. Mais après la maîtrise, donc c'est allé un peu plus, chose là. Mais moi, je prends mon temps toujours pour faire les choses. J'ai fait, par exemple, pour ma thèse, j'ai fait 6 ans à écrire la thèse. Donc, ce n'est pas un laurier qu'il faut se donner, mais... Bon, j'ai pris le temps de la faire quand même. Mmh. Voilà, donc spécialisation de la thèse, je me suis appuyé sur la littérature pour un peu étudier la gouvernance, la gouvernance d'État. Je fais cette nuance entre la gouvernance, le mot qui est générique, qu'on utilise un peu partout. Donc on parle de gouvernance du système éducatif, gouvernance de l'économie. Et je ne saurais vous laisser passer sans comprendre ce que c'est, justement, cette nuance que vous, sur laquelle vous insistez. Gouvernance d'État, c'est que, vous voyez, les États ne sont pas, des êtres comme des entreprises. Un chef d'État n'est pas un chef d'entreprise. Le chef d'État, c'est celui qui peut décréter, par exemple, qui peut décréter une guerre. Vous imaginez, c'est toute une armée qui sort, quoi. Un chef d'entreprise ne peut pas faire ça. Non. Le chef d'État, c'est, disons que c'est un niveau de responsabilité très élevé. Ah oui. Dans la hiérarchie des responsabilités. Ah oui, ah oui, donc, oui. C'est un niveau de responsabilité très élevé. Et donc, le focus, c'est sur l'État, pour moi, la gouvernance de l'État, comment ça fonctionne. Et je l'ai, disons, étudié à partir des études littéraires. Donc, je prends des œuvres littéraires. J'ai pris, bon, disons, 4 pièces de Wole Soyinka. Si vous le connaissez, c'est un auteur qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et à la gestion de l'État. Et donc, j'ai pris 4 œuvres de Wole Soyinka dans lesquelles j'ai étudié comment il perçoit la gouvernance de l'État et comment, quelle est sa vision à lui et moi, quelle est mon approche critique de cette vision-là. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on pourrait dire qu'on a fini d'étudier, mais ce que cette étude m'a apporté, c'est que ça m'a permis d'établir une théorie. Et c'est pourquoi je parle souvent de théoricien de la gouvernance. Et quand on parle ici de théorie, il ne faut pas voir le bavardage. Parce que les gens confondent souvent ce mot-là. Quand on dit théorie, bon, théorie, mais bon, nous, on préfère la pratique. Non. La théorie, c'est ça qui gouverne l'action de l'homme. Si vous savez par exemple que la Terre tourne autour, la Terre ronde par exemple. Simplement l'idée que la Terre ronde, ça a mis longtemps à être établi. Ah ben oui. Des gens disaient que la Terre était plate. D'autres disaient que non, elle est ronde. D'autres disaient qu'elle a une forme bizarre qu'on ne comprenait pas. Alors donc ça a été un long débat entre théoriciens. Et finalement, c'est la thèse selon laquelle la Terre est ronde qui a prédominé. Justement. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle théorie quand on parle de la science. Ce n'est pas du bavardage. C'est l'explication que nous donnons au phénomène naturel, au phénomène de la vie. Et voilà un peu ce que je peux dire, pourquoi on parle de théoricien de la gouvernance. Voilà, donc j'ai essayé d'établir ou d'élaborer une certaine théorie sur la gouvernance sur laquelle je suis encore en train de travailler, parce que maintenant, je vais l'apporter dans l'arène de la communauté scientifique, un peu plus élargie, parce que c'était déjà dans l'arène, puisque ça a été soutenu comme une thèse, et puis ça a reçu donc l'appréciation du jury. Mais maintenant, il faut la porter, cette théorie. Vulgariser ou à défaut l'implémenter. Voilà, parce que c'est une théorie qui un peu met en cause la gouvernance telle qu'elle est perçue jusque-là, telle qu'elle est, perçue par l'opinion dominante, qui en fait
est, disons, suscité par la Banque mondiale, le FMI, mm-hmm. les choses, les institutions comme ça qui nous plongent dessus, hein, des façons de voir le monde, on pourra y revenir plus d'une fois, mais avant tout ceci, on va permettre au docteur Paul-Marie Wessou de passer au prisme de cette différente théorie que vous avez étudiée et décortiquée, l'actualité sociopolitique et économique au Bénin cette semaine, cette actualité qui, je l'ai dit tantôt, a été très 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 riche tout au long de cette semaine. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume-Talon, a reçu son prédécesseur, le docteur Boliaï, et une interrogation légitime ou non, est-ce enfin la paix ou simple compromis politique? Que dire de l'opportunité de cette rencontre et pourquoi ce n'est que maintenant que cela a été possible, que cela a pris corps? Ah oui, c'est tombé un peu comme, comme une surprise pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Parce que nous avons été habitués depuis 2016 à une certaine façon de gouverner. Sinon, en réalité, cette rencontre ne devait pas surprendre. Mais parce que souvent, quand on veut analyser les faits politiques, ou que depuis un certain temps, nous parlons surtout du respect des lois, la gouvernance doit être donc... faites sur la base des lois. Mais il y a le volet tradition, coutume, que nous oublions de la gouvernance. Il y a des choses qui ne sont pas dites et qu'on fait en tant qu'État, en tant que leader. Et ça finit par s'installer dans nos habitudes. Et il faut dire que de telles rencontres, ce n'est pas une nouveauté au Bénin. Okay, malgré leurs différends suite à l'élection présidentielle de 1996, le président Kérékou et le président Soglo se sont toujours parlé. D'accord, vous êtes remonté un peu plus tôt. Oui, et nous pouvons le remarquer aussi sous le président le président Yahya Boni, qu'il a souvent fait une place spéciale aux anciens chefs d'État. Il les a souvent reçus. Ils se sont parlé. Donc, c'est que l'actuel chef d'État reçoit l'ancien n'est pas une nouveauté. Certains ont tout fait de dire que nous sommes en train de copier la Côte d'Ivoire. Non, plutôt que la Côte d'Ivoire peut-être nous copie. Maintenant, là où il y a des ressemblances avec la Côte d'Ivoire, on va en discuter tout à l'heure. Donc, on avait une tradition de chef d'État, de l'ancien et du nouveau qui se parle, qui se rencontre, qui se faisait avant, mais c'est à la prise du pouvoir du président Talon et puis disons sa perception lui de la gouvernance et celle qu'il a disons mise en œuvre depuis qu'il a pris les rênes du pays, c'est cela peut-être qui a amené un peu disons un peu de friction entre les deux et qui a conduit à ce que les deux se rencontrent, ou bien que les deux se rencontrent aujourd'hui, oui, que ça devienne un événement. Mais les dissensions ne remontent pas seulement à l'avènement du chef de l'État Patrice Talon au pouvoir. C'était un peu plus tôt. Oui, c'était un peu plus tôt, mais il y a eu cette phase-là où le président Yahya Boni a dit « je pardonne ». Je crois que c'est à partir de cet instant que le président Patrice Talon a eu l'opportunité de revenir au pays, puisqu'il n'était pas dans le pays, à cause de la divergence qu'ils ont eue à partir de 2019, à partir de 2012, pardon. Bien sûr. De 2012. Et donc, c'est ce « je pardonne » qui a ouvert la porte au président Patrice Talon. Au retour de Patrice Talon au Bénin. Voilà, et qui lui a même donné l'opportunité de se présenter aux élections présidentielles. D'aucuns diraient, mais il avait toutes les cartes, le président Yahya, pour empêcher le président Soglo, le président Patrice Talon de se porter même candidat, jusqu'à même gagner les élections, vous voyez. Mais bon,
Moi, je dis toujours une chose, le Bénin a un génie qui est en chacun de nous. C'est bizarre, vous pouvez ne pas vous rendre compte de ça, mais il y a un génie en chacun de nous. Et on peut tout faire, tout faire, tout faire, mais à un moment donné, ce génie opère. Et je crois que nous sommes en train de constater les effets de ce génie-là maintenant. Où on s'élève au-dessus des divergences et on commence à se parler, on commence à se donner la main pour que le pays retrouve la paix. Vous allez constater que depuis hier, je crois que la rencontre a eu lieu hier, ou à mercredi, oui, voilà. Depuis mercredi, vous allez dans les marchés, vous allez chez les mécaniciens, vous allez chez les vulgarisateurs. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, dans les amphis, dans les écoles, dans les salles de prof. Donc cela justifie en quelque sorte l'opportunité. Absolument. C'est à croire que, c'est dire que le peuple s'y attendait. Absolument. Ou le peuple en avait le besoin ou en avait faim. En avait soif. Parce que, vous savez, le fait que les deux ne se parlaient pas, créer une certaine tension. Et cette tension-là, que l'on veuille faire semblant de l'ignorer, elle est dans notre... En tout un chacun de nous. Absolument. Elle est dans notre surmoi, dans nos surmoi. Elle est là, permanente. Elle fait même que... C'est partie de l'inconscient collectif. Absolument. Et nous ne nous sentons pas à l'aise tant qu'il n'y a pas, disons, ce dialogue entre les deux. Entre les deux grands protagonistes. Il y en a, il y a un autre protagoniste, il y a d'autres protagonistes, je ne vais pas dire un autre, il y a d'autres protagonistes, mais entre ces deux particuliers-là, ces deux protagonistes particuliers, il y a donc cette tension qui naît du fait qu'ils ne s'entendaient pas. Et je crois que cette tension a commencé à se diffuser maintenant et reste à voir ce qui va se passer à partir de cette rencontre. Et je crois que le Bénin va encore mieux se porter. Et quand on applique la théorie de la gouvernance d'État au fond et à la forme de cette rencontre, à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qui peut ressortir de cette rencontre, du fond et de la forme? D'abord, parlons de la forme. Parlons de la forme. Et la forme, c'est le président Talon reçoit le président Yahi au palais de la Marina. Et faisons un peu un arrêt sur les images. Nous voyons donc les deux présidents, l'un accueillant l'autre. Et puis, d'abord, quand ils se sont vus, regardez, ce genre de surprise. Pour moi, ce n'est pas de la mise en scène. Le fait qu'il y a eu longtemps. Il y a l'expression d'une sincérité qui émane de cette retrouvaille. Oui, absolument. Il y a des jeux de coulisses. Il y a les gens qui ont dû œuvrer pour que cette rencontre-là ait lieu. Mais pour une fois, les deux se sont vus, pas à l'étranger, pas avec quelqu'un qui joue l'intermédiaire, mais les deux se sont vus comme ils se seraient vus avant que le président Talon et le président Yahi ne connaissent ce qu'ils ont connu comme divergence. Et cela est important. Donc ce premier contact qu'il y a eu et la façon dont chacun a réagi, justement, pour moi, c'est important. Oui. Deuxième élément de la forme, c'est le communiqué qui a été lu, presque lu à la fin, de la rencontre. Ça, ce n'est pas Yahi, excusez-moi de le dire comme ça. Ça, ce n'est pas du Yahi. Oui. J'ai comme l'impression que la communication a été contrôlée. C'était soigné. Mais ça n'a pas empêché Yahi de surgir dans cet instant-là. Le cadrage. Le cadrage était là, tout était là, mais Yahi a surgi toujours quand même, en reprenant sa nature. Vous voyez, pour moi, la communication contrôlée, telle que ça a été contrôlée, c'est un peu, disons,
C'est un peu cela qui me laisse un peu un arrière-goût. On aurait dû... Mais ce n'était pas si contrôlé que ça. Vous avez dit que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a fini par exprimer le Boni Yayi d'alors. Oui. Il a exprimé son étonnement sa méconnaissance de ces lieux qu'il a connus pendant 10 ans. Oui, absolument. Pour dire que... Ce n'était pas si contrôlé que ça. On ne nous dira pas qu'on a fait 10 là, Yayi Boni, non. Non, non. Quand je parle de contrôler, j'ai dit que Yayi, le naturel, a surgi au cœur du cadrage. Mmh. Et c'est ça c'est l'un des éléments. Quand il s'étonne de l'environnement dans lequel il se retrouve, qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a vécu pendant 10 ans lui-même et qu'il retrouve renouvelé par son successeur. Et ça, c'est son étonnement est naturel. Et ça, c'est du Yayi, le naturel Yayi. Mais le fait qu'il lise un papier, vous voyez, à peu près pour lire les points sur lesquels ils ont discuté, ça, c'est pas naturel. Ça, c'est contrôlé. C'est contrôlé, mais c'est peut-être pour ne pas perdre de vue certains points, pour ne pas oublier. Hein. Bah, vous savez, l'oubli et le rappel sont les deux principales tâches de la mémoire. Oui, et il peut, et puisque c'est une occasion solennelle, il ne va quand même pas sortir de là et dire « Écoutez, j'aurais quand même pu aborder ce point. Ça m'a échappé. » Oui, c'est possible. Je comprends cela, mais chaque fois qu'il y a, un contrôle comme ça sur la communication, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Je ne sais pas si vous voyez. Chaque fois que la communication est contrôlée telle que ça a été fait, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'après tout, il est question de la politique. Bien sûr, ils sont pas un jeu d'hasard. Mais quand ils vont se retrouver, quand ils se sont retrouvés pendant une heure du temps, ils n'ont pas parlé que politique. Justement. Justement. Donc, il y a des choses qui nous échappent. C'est ce que les deux voulaient qu'on sache. C'est ça qui est sur le papier. Et c'est ça que justement parce que les plusieurs décennies d'amitié entre les deux nous échappaient. Bon, justement, nous on en a connu que l'avant-veille de 2016 et 2017. Et maintenant, justement. Oui, mais cette amitié-là... Voilà la vraie histoire de cette amitié. Et l'inimité qui s'en a suivi, mais nous en souffrons. Nous en souffrons, oui, je me trompe. Ben oui, mais les deux en sont conscients et justement, actent maintenant justement le principe pour dissiper notre souffrance. Oui, je le souhaite vivement. Je souhaite. Donc, la forme, nous parlons de la forme. Et nous avons donc parlé de la communication qui est très contrôlée. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais bon, cela suppose qu'il y a des choses qu'on a dites et que il y a des choses que vous aurez voulu tout savoir. Voilà, on voulait. S'ils pouvaient même faire ça en direct, au lieu de faire ça en deux, ça va amuser les Béninois et ça va détendre l'atmosphère. Mais ils nous ont fait vivre ne serait-ce que quelques minutes du début. Oui, et si vous avez bien observé, on a parlé de Yayi, mais il faut observer le président Talon et son émotion. Son émotion, à mon avis, ce n'est pas contrôlé. Il l'a exprimé. Il l'a exprimé. Mais tout son être l'exprimait. On le voit ému, content. Oui, il l'a exprimé. Il a exprimé. Cela veut dire que lui-même, ça lui manquait, cette rencontre. Et qu'il il en voulait. Il en voulait. Mais, OK, il y a eu des divergences. Et comme c'est le cas de la longue absence de tout ami ou frère. Absolument. Pour tout un chacun de nous. Donc, de toutes les façons, les deux là ne se laissent pas indifférents, l'un et l'autre. C'est ce qui est important à savoir. Et quand le président Yayi nous dit qu'il n'y a pas une divergence, et ça c'est le fond, mais avant le fond, un dernier élément de la forme. Pour fermer ce volet. C'est que je n'ai pas compris pourquoi. C'est vrai, la communication de la présidence a voulu nous montrer tout le processus qui a abouti jusqu'à. Sauf quand ils se sont retirés tête à tête. Je n'ai pas compris pourquoi c'est une communication assise
qu'ils ont... ils étaient assis quand ils nous ont dit... Non, on les a vus debout, on les a vus... on les a vus debout, au moment de nous rendre compte de leur entretien. Mais c'est quand même après une heure d'échange. Ils sont fatigués. Et pour des personnages d'un certain âge. Je comprends. On ne va quand même pas le soumettre encore. Je comprends. Il n'est pas un entretien d'embauche. Je comprends. Non, mais c'est pour moi, ça, ça a enlevé un peu de solennité, à leur communication. Je ne sais pas si vous me voyez. Pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, non. Ça aurait pu être... J'aurais voulu que ce soit un communiqué conjoint, comme cela aurait été le cas si le président Talon recevait Ouattara ou autre. Mais ici, on est à la maison. C'est ce qu'on fait vivre. On est à la maison. Oui. On est chez nous. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je enfin, on va passer, c'est la forme, on va passer la forme. Mais sinon, pour moi, les deux auraient pu se mettre debout, de façon solennelle, et nous parler, franchement. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça nous aurait plus convaincu. Mais cela aurait tué une partie de la sincérité de cette rencontre. Non, nous parler franchement, ça ne peut pas, être autre chose que sincère. Ce serait plus diplomatique que cette sincérité. Non, je parle de solennité, pas de diplomatie. De solennité. Parce que, en fait, nous avons souffert de leur désaccord. Peut-être pas mieux qu'eux. Qui sait? Je vous laisse poursuivre. Je voudrais bien savoir qui a souffert le mieux, le plus, dans cette affaire. Je crois qu'on dit quand deux éléphants se battent, ce n'est pas les éléphants qui souffrent. C'est l'herbe. Et nous sommes l'herbe. Mais ils n'en souffrent pas moins. Malheureusement. Ils n'en souffrent pas moins. Bon, voilà. Mais le front. Pour aller très très vite sur le front, le front pour moi laisse à désirer. Le fond laisse à désirer. Parce que c'est là où le fond ressemble un peu au scénario ivoirien, où le président Yahi dit qu'il a demandé. C'est vrai, il a demandé. Et c'est vrai, c'est le président Talon qui décide. Il a demandé que le président Talon, c'est à lui de décider. Mais. C'est normal, c'est la première rencontre. Et ça ne peut pas être, il ne peut pas en être autrement. Mais là où le fond me laisse un peu sur ma faim, c'est que le président Yahi nous a dit qu'il n'y a pas un différent profond entre les deux. Puisque c'est puisque c'est l'auteur de l'ouvrage qui en parle. Oui, je me demande quand ça sera profond, qu'est-ce que nous allons devenir. Peut-être qu'ils ne se rencontreraient plus. Non, mais ce n'est pas seulement leur rencontre ou pas qui est le problème. Mais j'ai dit, moi je ne parle pas, nous parlons de l'État. Et l'État, c'est bien sûr les deux, mais c'est aussi la nation, le peuple, c'est tout. Toutes les institutions qui souffrent de ceux dont nous parlons. Donc ce n'est pas que les deux, parce que les deux ont assumé la plus grande charge de ce pays. Je crois que c'est très important qu'il s'exprime en nous disant, tel qu'il l'a dit, que la... Il a dit que il est venu demander. Et il a demandé un certain nombre de choses, à savoir que les prisonniers les prisonniers soient libérés, les exilés. Et il a fait une chose qui m'a un peu surpris. Il a dit que il voudrait qu'il y ait une certaine institution de la rencontre entre les présidents, anciens et celui qui est là. Non, c'est une doléance. Ça peut être institué ou non, mais qu'il a exprimé. Oui, bien sûr. Mais ce que j'ai constaté de toutes ces doléances, c'est qu'il n'a pas fait mention de
ce que l'opposition demande depuis, qui est une assise nationale. Oui, ce n'est pas le représentant de l'opposition qui est allé rencontrer le chef de l'État. Vous êtes d'accord avec moi, docteur? Ce n'est pas le représentant, mais pourquoi demande alors qu'on libère les opposants? Mais c'est un ancien père de la famille, c'est un ancien chef d'État. Ok. C'est un ancien père de la nation. Oui. Ben, il parle au nom de tous les Béninois. Oui. La preuve, il n'a pas demandé à ce qu'on libère seulement les opposants. Oui. Non, je crois que non, il a demandé qu'on libère les opposants, mais il aurait pour pu... la paix. Pardon? Pour la paix et non pour l'opposition. Non, 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 pas pour l'opposition, pas pour la paix. C'est pour la paix qu'il demande tout cela. Comme je l'ai dit, il aurait pu dire oui, les assises nationales. Ben, il avait déjà fait, il avait déjà fait sans pas cette rencontre, mais il avait parlé d'assises nationales. Mais moi, j'ai toujours dit quelque chose par rapport aux assises nationales. C'est pourquoi je parlais de ça, parce que je crois que il a compris en réalité que le parcours politique que nous avons fait depuis 2016, pardon, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à parler d'assises, qu'il y a des réalités. Et on doit faire avec ces réalités, mais tout en faisant avec ces réalités, il ne faut pas perdre notre boussole. La boussole qui est la démocratie, qui est, disons, le système politique que nous avons adopté. Et c'est pourquoi il a insisté sur le fait qu'il faut, disons, préserver notre démocratie. Et je crois que c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours pensé aussi, que ce n'est pas... nécessaire de faire les assises, les assises nationales, telles que les gens le demandent. Sinon, on va répéter chaque fois les assises nationales, chaque fois qu'un président viendra et qu'il va mettre en œuvre un programme, et puis bon, ça ne plaît pas à ci, ça ne plaît pas à ça. Mais ce qui est essentiel... Docteur Ousso, on va y aller vite. Oui. Parce qu'il y a encore de très intéressantes questions à aborder. Oui. Oui. On va y aller vite. Dites-moi, est-ce vraiment... des prémices pour la paix au Bénin ou juste une audience de plus ou bien une audience politique? Et quelles implications cette audience, cette rencontre des deux anciens chefs, des chefs d'État aura-t-elle sur la suite quand les hommes, et le landerneau politique? Oui, quand les hommes commencent à se parler, c'est qu'il y aura nécessairement la paix. Ça peut être du cinéma. Il n'y avait pas la guerre avant, ça. Mais de toute façon, le pays était tendu. Voilà. On ne dira pas guerre à la guerre, mais le pays était tendu. Et il y a une grande frange de notre société qui ne s'entendrait pas avec l'autre frange qui est au pouvoir. Donc, ce n'est pas nécessairement lorsque les armes crépitent qu'on va dire qu'il y a la guerre. Il y a comme ça me plaît à le dire. Les gens ne s'entendaient pas. Il y a un calme tendu. Et oui, il y a très tendu même, très très tendu. Mais vous voyez, comme je l'ai dit depuis qu'ils se sont rencontrés hier... je crois que ça a donné lieu maintenant à des débats dans tous les foyers, dans tous les officines, dans tous les milieux du Bénin. Et ça permet donc de diffuser un peu la tension. Maintenant, la paix, est-ce que c'est le début d'une certaine paix? Moi, je ne voudrais pas aller trop vite en désordre. Comme je l'ai dit, il y a des choses que nous n'avons pas entendues de leur communiquer. Nous n'allons pas non plus exiger de tout entendre. Non, on ne l'exige pas. Mais c'est dans les actes qui vont être posés par l'un et l'autre, à partir de maintenant, que nous pouvons lire ce qui va se passer demain. Et moi, je voudrais quand même saluer le président Talon. J'ai souvent été critique, mais je voudrais le saluer sur ce premier pas, parce que j'ai longtemps dit que je ne vois pas encore venir des actes qui nous permettent de dire que ce qu'il a annoncé à son investiture, qui est que désormais le Bénin doit être gouverné sur la base de trois principes, à savoir la gouvernance, la bonne gouvernance, la liberté et la démocratie. J'ai toujours dit que je ne vois pas encore venir des actes de cette annonce-là. Mais là, je viens de voir un acte sérieux qui est posé. Mais ça ne m'étonne pas du président Talon parce que, voyez, il a pu recevoir Bertin Kouvi dans ce pays. Il a pu recevoir
d'autres personnes. Ce n'est pas un politique de la même trempe non plus. Non, je ne fais pas de la comparaison. D'accord. Mais je parle du fait qu'il peut s'élever au-dessus de la situation et aller à la rencontre de celui, même celui qui l'injurie. Vous imaginez, même celui qui lui dit des choses, bon, je ne veux pas dire des choses inconcevables, je vais dire. Vous voyez, donc s'il a pu faire ça, pour moi, je savais qu'il ferait nécessairement un pas à un moment donné, mais c'est bien que le pas soit venu au début du mandat maintenant. Ça nous permet d'ouvrir le nouveau mandat avec de nouvelles perspectives. Et puisque les élections présidentielles, les élections législatives viennent déjà très, très bientôt, j'espère, et c'est cela, que désormais, le président Yahi peut circuler librement dans le pays. Il le faisait avant? Non. Si, non. Outre la quarantaine de jours où il a été, son domicile a été entouré. Non, quand je parle de présidence circulée, c'est pas la même chose qu'il a pris sa voiture de Tchaourou, il est venu tel que vous le libellez, c'est à croire qu'il est arrivé. Non, circuler normalement, c'est le président Yahi, vous le connaissez. C'est l'homme de la foule. Il allait à la rencontre de la foule depuis un certain temps, il ne le faisait plus. Et cela, c'est dû à la tension qui existait. Donc, oui, est-ce qu'on en avait encore besoin? Pardon? Des Ben Foul de Boni Yahi, toutes les semaines ou presque tous les mois. Est-ce que c'est ça le Bénin a besoin maintenant? Vous n'avez pas besoin de ça. Le Bénin a plutôt besoin de célébrer un mentor, un ancien père de famille, un ancien chef d'État, un PP, et non le Boni Yahi politique qui harangue la foule. Alors vous déniez à Boni Yahi le droit d'exercer, d'être politique. Je n'oserais pas. Ah, bon, heureusement. Mais non, on ne peut pas dénier au président Yahi, comme on ne peut pas dénier au président Talon, quand il aura fini son mandat, d'être un homme politique. Mais on ne va non plus l'y exhorter, Boni Yahi, je veux dire. Docteur Paul-Marie Wessou, on va poursuivre cet exercice. Oui. On a encore dit, c'est vrai, sur ce volet, sur cette rencontre entre Patrice Talon et son prédécesseur. Mais il y a encore d'autres sujets tout aussi importants que cette rencontre. Oui, 24 heures plus tôt, le chef de l'État, Patrice Talon, rencontrait, 24 heures avant cette rencontre, cette audience, il rencontrait les maires, les adjoints, les préfets, autres personnalités politiques au sujet justement des réformes structurelles du secteur de la décentralisation. Vous en avez suivi brièvement la présentation, reprise d'ailleurs, je dirais, presque tous les soirs sur la chaîne nationale et les chaînes privées. Alors, comment avez-vous accueilli d'ailleurs l'essentiel de ce document? L'essentiel, j'ai plus à vous les repréciser, le point principal qui a fait réagir le maire de Pomancère. Retournez-nous notre budget. Oui, il faut d'abord commencer à dire que le président Talon avait annoncé déjà à l'inauguration de ce mandat qu'il allait véritablement avoir un regard plus pointu sur la décentralisation. Et depuis qu'il l'a annoncé, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Et on constate maintenant que on a constaté qu'il a enfin commencé à déployer ce qu'il avait en idée quand il parlait de faire de la décentralisation levier de développement. Maintenant, tout ce qui a été annoncé est-il nécessaire pour que nous ayons vraiment une décentralisation réussie? Est-ce que le maire qui demande qu'on lui retourne son budget, qu'on lui rende son budget, qu'on lui rende son budget à raison ou tort, est-ce que la nomination du secrétaire exécutif va rendre la décentralisation beaucoup plus opérationnelle. Vous savez, moi... Autant de questions. Oui, vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Nous faisons beaucoup, beaucoup, beaucoup de réformes depuis que le président Talon est au pouvoir. Il va falloir, à un moment donné, s'arrêter.
Ah oui? Oui, il va falloir à un moment donné s'arrêter et faire le point. Mais pas de sitôt. Non. Écoutez, on fait des points à mi-parcours, n'est-ce pas? On fait des points à mi-parcours. Et faire le point pour moi permettra à ce que les réformes produisent encore plus de résultats. Parce que tant qu'on ne fait pas le point et qu'on engage les réformes dans tous les secteurs, ce qui va arriver, c'est que lui-même a annoncé son départ en 2026. Et 5 ans, c'est très vite passé. Et pour que les réformes puissent, pour les 4 prochaines années, vraiment s'enraciner et permettre à ce que ceux qui viendront après puissent dire « oui, nous avons un point de départ, il faut qu'on poursuive ces choses ». Faire le point, c'est que pendant 5 ans, les 5 dernières années, le président Talon n'a pas, été très, très à l'écoute des points de vue divergents. Maintenant, C'est votre lecture. Oui, maintenant que, il a cette ouverture au point de recevoir le président Yahi, je crois que l'heure est venue qu'il commence à écouter les points de vue divergents, sans nécessairement laisser ses points de vue bloquer l'action du gouvernement. Mais les réformes passées, qui ont déjà, 4 ans, 5 ans, il faut bien écouter les uns les autres sur ces réformes pour voir où est-ce que nous en sommes. Et voir comment maintenant les nouvelles réformes qui sont mises en œuvre, comment les amener plus loin et plus vite. Parce que j'ai toujours dit une chose, lorsque les réformes ont l'adhésion des populations, ça va plus loin et plus vite. Est-ce qu'il y en a, ou très rarement, qu'une réforme, que le peuple, qu'une réforme fasse l'unanimité? Non, non, on ne cherche pas... Chaque réforme on ne cherche pas... sa dose de mélancolie, vous ne direz pas... Non, on ne cherche pas l'unanimité autour d'une réforme. OK? Mais... il y a que c'est très important que les réformes tiennent compte de l'opinion, de l'opinion de l'aspiration divergente. Parce que si, de l'aspiration naturellement des populations, parce que si les réformes ne tiennent pas compte de l'opinion divergente, c'est ce que nous, ce à quoi ça aboutit, c'est que vous finissez par avoir un état où, lorsque lui va partir, si par hasard il ne se fait pas succéder par quelqu'un qui l'a coopté, ceux qui vont venir, s'il se faisait que c'est eux qui portaient l'opinion divergente, ils vont remettre en cause tout ce qui a été fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et on est dans le perpétuel recommencement. Il y a un terrain à céder, mais il y a que l'essentiel doit être poursuivi. Et c'est sur l'essentiel qu'il faut communiquer avec les uns les autres. Il faut communiquer et dire ce qui se passe. Dire comment on est en train de faire, mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Par exemple, je vous dis, les gens disent les réformes prennent du temps, mais c'est une fausse histoire. Donald Trump a fait 4 ans. Le monde a changé, a été bouleversé complètement en 4 ans. Et l'autre est en train de faire à peine 1 an. Et vous voyez comment le monde est en train de... Le bouleversement qu'il y a encore. Donc, il ne faut pas nous faire manger ou consommer cette idée-là que les réformes vont prendre 50 ans avant de produire des fruits. Les réformes qui sont en cours produisent déjà des fruits, on les voit. Il y a des fruits, on les voit. Maintenant, il y a certaines réformes qui vont produire des fruits plus tard. Mais il y a des fruits qu'on voit déjà. Donc, à partir de là, il faut communiquer sur qu'est-ce que nous obtenons déjà maintenant, qu'est-ce que nous allons obtenir à moyen terme et qu'est-ce qu'à long terme
les réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre là nous apportent. Je crois qu'il y a un gros travail encore à faire en matière de communication sur les réformes. Ah oui. Et oui, parce que c'est pas, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'opposition, ok. Et généralement ces oppositions là, c'est parce que c'est il y a les personnes qui portent ces opinions ne sont pas très informées. Et parfois, parfois aussi parce que les réformes sont faites d'une certaine manière qui donne lieu de croire que on ne tient pas compte des autres. Ah. Oui, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure qu'il ne peut avoir l'unanimité, hein, que les réformes ne peuvent faire l'unanimité au niveau des concitoyens. Non, non. C'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'unanimité qu'on cherche. Je vous donne un exemple hein, pour que ça soit plus précis ce que je dis. Ouais. Regardez la réforme constitutionnelle. Est-ce que le Parlement avait besoin de voter cette réforme notamment? Et vous voyez, tout le monde parle maintenant de voter précipitamment, notamment. Vous voyez à peu près. Ouais. Mais s'il y avait eu de la communication autour, ça prend du temps pour se faire et que l'on le fait normalement. Ce qui est sûr, le Parlement qui est là ne voterait pas, n'aurait pas voté contre la réforme constitutionnelle. Vous voyez à peu près. Alors, s'il y avait eu suffisamment de communication pour que les uns et les autres comprennent les tenants, les aboutissants de la réforme constitutionnelle, aujourd'hui, dans les doléances que les gens expriment, vous voyez ça venir tout le temps, qu'on a voté une constitution notamment et précipitamment. Et ils ont raison de le dire. Parce qu'ils n'ont pas été informés d'où c'est venu, comment et qu'est-ce que ça nous apporte pour le futur, on ne sait pas. Mais de toute façon, il y a des résultats qu'on voit déjà de ces réformes-là. Et les résultats à venir, on veut comprendre. Ça va apporter quoi au Bénin, plus précisément. Donc moi, je crois vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a dont on constate déjà les fruits. Oui. Absolument, absolument. Rien que prenez la réforme du système partisan, vous ne me direz pas qu'on n'a pas encore vu les effets de cette réforme. On l'a vu. Pour moi, et c'est ce que je vous disais, qu'il faut une relecture. Pour moi, cette réforme doit être revue. Ça doit être revu parce que ce que ça nous a permis de faire, c'est de faire 3 élections où il y a eu de la violence. Bien sûr qu'il y a eu moins de violence lors des communales. Mais les trois élections que nous avons organisées à suite à la réforme du système partisan, les 3 élections n'ont pas été des élections dont nous sommes fiers. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut relire, il faut revoir cette réforme et faire de sorte qu'elle nous permette, au-delà de tout, d'organiser des élections qui mettent tout le monde en confiance. Un dernier point avant de conclure ce numéro de Dimanche politique, Dr Paul-Marie Ouessou, la gestion de la crise sanitaire et la campagne vaccinale au Bénin. Votre lecture. Oui, oui, il faut dire que la COVID-19, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Et personne, aucun gouvernement au monde n'a encore maîtrisé cette pandémie, ou ne l'a encore la contenir, ou l'a géré même excellemment. Le Bénin l'a fait aux premières heures de cette pandémie. Non, parce que la pandémie n'a à pas encore... le cordon sanitaire ou autre. Oui, mais le cordon sanitaire et tout ça, en ce moment, le mal n'a pas l'ampleur que ça... Mais ça a permis d'empêcher la propagation. Parce qu'en ce moment, ça, c'était une flambée de cas au-delà de nos frontières, oui, pour bien parler sûr. De l'autre côté de la Méditerranée. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas, moi... C'est ça un peu le problème de la science. En science, on ne se laisse pas convaincre par les choses, il faut aller aux faits et il faut analyser les faits. Je ne suis pas très convaincu de la corrélation entre le cordon sanitaire et... Non, pas que le cordon sanitaire est toute une série, tout un paquet de mesures.
Oui, bien sûr. Mais il faut remarquer que, c'est pour cela que je dis que je ne suis pas sûr de la corrélation entre le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup de cas et le cordon sanitaire. Parce qu'il faut remarquer que, après, juste après le cordon sanitaire, les élèves, les étudiants sont retournés dans les amphis. Et il y avait, on disait bien sûr, continuez d'observer les mesures de prévention. Mais il n'y avait plus tellement de focus sur la maladie. Jusqu'à ce que, il y ait cette flambée-là, à nouveau, avec la variante Delta. Il y avait, on avait commencé à penser que la maladie-là, c'est du passé. C'est désormais dans notre droit. Voilà. Donc, moi, je ne pourrais pas dire avec certitude ici que le cordon sanitaire, c'est ça qui a permis qu'il n'y ait pas eu ceci, qu'il n'y ait pas. Ce qu'il faut dire, c'est que le Bénin a été, dès le départ, n'a pas mis en place très, très, très strictement les mesures les mesures prises par les autres, les Occidentaux, qui consistent à confiner tout le monde pendant des mois, des semaines, et à compter les semaines. Le Bénin n'a pas fait cela. Il y a d'autres pays en Europe aussi qui n'ont pas fait cela. Mais comme je le disais, aucun pays au monde n'a réussi à véritablement gérer et dire et se taper la poitrine et dire moi j'ai réussi à faire cela. On parlait d'Israël. Israël avait vraiment c'était le pays le mieux, le pays où on a mieux géré la crise, disait-on, jusqu'à ce que on ne constate ces derniers temps que tout ce qu'on disait d'Israël, c'était provisoire. Donc, moi, je pense que... Encore qu'il faille distinguer la com de la communication de la réalité. De la réalité, oui, bien sûr. De tout ce qui se dit dans ces états. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que notre gouvernement, jusque-là, a fait ce qu'il peut. Le gouvernement a su anticiper aussi. Oui, a su anticiper, mais cependant, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des ratés entre la période pré-vaccin et la période, je vais dire, post-vaccin. C'est-à-dire la période post-mise en œuvre, mise en service post-vaccin. Vous voyez à peu près. Ce qui a fait qu'au moment où, c'est-à-dire à l'entrée du vaccin, vous voulez dire qu'on a connu un peu de retard pour enclencher la campagne vaccinale? Bon, pas de retard, mais je vais dire plutôt que il y a eu un tout petit relâchement qui a fait que Docteur Paul-Marie Wessou, c'est complètement terminé pour ce numéro de Dimanche Politique, j'avoue, que nous avons encore une série de questions à aborder. On les réserve, rassurez-vous, pour les prochaines semaines sur Dimanche Politique. Merci franchement à vous. Je ne vous laisse plus en tant que tel le temps de consommer les quelques secondes qui restent pour votre mot de la fin, à moins que vous n'ayez un appel solennel ou un message fort aux citoyens en deux, secondes. Aux citoyens, mais au président de la République. Ben allez-y. Un grand pas est fait avec cette rencontre avec Yahi. On attend le deuxième grand pas. C'est-à-dire qu'il faut rouvrir l'espace politique maintenant et que le Bénin recommence, la démocratie béninoise recommence à vivre à nouveau. Ce n'était point pour autant fermé, il fallait seulement se conformer au nouveau cadre juridique. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci, docteur Paul-Marie Wessou. Merci pour votre disponibilité. C'était Dimanche Politique avec l'ancien chercheur, spécialiste de la théorie de la gouvernance d'État. Eh bien, c'est ce que sous-tend cette théorie. On en parlera dans nos prochains numéros de Matin d'Éden, toujours avec docteur Paul-Marie Wessou. Merci de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à suivre nos programmes sur Eden Télévision.